à vous, amis Balance et Ascendant Balance. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé la décoration pour mes vidéos en espérant que ça va vous plaire. Et avant de commencer les tirages, eh bien, si vous regardez la vidéo avant le 1er janvier, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et si vous regardez la vidéo à partir du 1er janvier, eh bien, je vous souhaite une excellente année 2021 en espérant que pour vous, elle soit meilleure que ça ne l'aura été durant l'année 2020. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les énergies pour les balances et valables également pour les personnes qui sont ascendant balance pour ce mois de janvier en trois tirages. Un premier tirage pour le domaine sentimental, un second tirage pour le domaine professionnel et un troisième qui abordera le domaine financier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et commençons tout de suite avec un premier tirage pour le domaine sentimental. Pour une guidance, une consultation ou un soin, vous retrouverez sous la vidéo le lien de mon compte Facebook, mon mail ainsi que mon Instagram. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, sachez que je publie chaque jour sur Facebook, Instagram ainsi que dans la rubrique communauté de la chaîne. Une guidance du jour qui est disponible dès 5 h du matin dans cette fameuse rubrique communauté où d'ailleurs vous pouvez, pour les personnes qui ont souscrit aux avantages que je propose via le bouton rejoindre à côté du nom de la chaîne, eh bien vous avez la possibilité pour les membres qui ont souscrit au minimum au premier avantage d'avoir en exclusivité mes vidéos avant la sortie, on va dire, officielle, avant qu'elle soit en public. Alors, dans ce premier tirage pour vous, les balances et ascendant balance, on nous parle de naissance, on nous parle de nouvelles. Moi, ça me parle de nouvelles réjouissantes. C'est comme si que finalement, ça fait un moment que vous attendez d'avoir de ces nouvelles de cette personne, un homme ou une femme. Mais vous allez avoir des nouvelles et on nous parle d'amitié. C'est-à-dire que c'est un ami ou une amie, quelqu'un avec qui vous êtes ami, qui va vous inviter, qui va avoir envie de vous voir, de rencontrer. Moi, ça me parle de vous rencontrer. Et c'est une personne que vous n'avez pas de nouvelles depuis bien longtemps. Moi, ça me parle d'un ami ou d'une amie, mais quelqu'un à laquelle vous aviez une forte amitié, et ce, il y a des années. Moi, ça ne me parle pas il y a quelques mois, parce que des fois, je donne l'exemple, je dis que ça peut être il y a quelques semaines, quelques mois. Mais là, si je disais que c'était il y a quelques semaines ou quelques mois, ce serait parler pour rien dire, entre guillemets, parce que là, c'est vraiment quelqu'un que vous n'avez plus nouvelle depuis quelques années. Enfin, voilà, principalement. Après, il est possible que oui, vous allez en effet. Il est possible que certaines personnes vont revoir un ami qui n'ont plus de nouvelles depuis quelques mois. C'est possible également. Mais là, principalement, pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, eh bien, enfin, bien sûr, une majorité, ça ne veut pas forcément dire, par exemple, que 80% des balances ou 60% balances qui écoutent ma vidéo vont être concernés par ce tirage. Mais pour la majorité de ceux dont le tirage va parler, eh bien, on nous parle d'un changement dans une amitié. Parce que cette personne, si elle va vous recontacter, si elle va vous envoyer une invitation, c'est tout d'abord pour vous parler de certaines choses. Moi, je ressens qu'elle a des choses à vous avouer, des choses à vous dire, et que cet ami, à l'époque où justement vous étiez, vous voyez régulièrement, possiblement tous les jours, eh bien cette personne voulait justement dans la relation autre chose que d'amitié. Mais il y avait un certain blocage. Alors soit elle n'a pas osé vous dire ses intentions, vous avouer ses intentions, peut-être que c'est vous qui n'aviez pas osé avouer ses intentions, vos intentions, ou il est possible également que par exemple, vous ne pouviez pas lui annoncer les sentiments que vous aviez pour cette personne ou vice versa. Pourquoi? Parce que
Si on part du principe que cette personne va vous recontacter, c'est parce que moi je ressens qu'elle a toujours pensé à vous. Et que forcément, elle ne peut pas comme ça vous recontacter de façon instantanée dès que vous n'êtes plus en couple, dès que vous n'êtes plus avec quelqu'un, parce que voilà, c'est pas marqué. C'est pas, mettons, il va pas y avoir marqué, je sais pas, elle va pas recevoir une notification sur son téléphone marqué un tel n'est plus en couple, un tel est libre. Allez-y, foncez. Cette personne vient de quitter son copain. Cette personne vient de quitter sa copine. Allez-y. Top départ. Vous pouvez y aller. Voilà, c'est le feu vert. Parce que, et en même temps, il y a les années qui passent. Ceci dit, elle a toujours pensé à vous, cette personne. Et là, eh bien, elle va se décider, comme je disais, de vous contacter. Peut-être parce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux que vous êtes libre. Et il est possible qu'elle va se demander, mais depuis quand est-ce qu'il est libre? C'est possible que cette personne, c'est possible qu'il est célibataire depuis longtemps et que finalement j'aurais dû plutôt aller zioter voilà son profil enfin vous voyez dans la section à propos d'eux j'aurais dû y aller m'y intéresser plus tôt. Parce que c'est possible que ça fasse des années qu'il est célibataire et que du coup bah, j'ai perdu mon du coup j'aurais pu peut-être que voilà depuis ces années on aura pu être ensemble et là peut-être que cette personne aura la curiosité de savoir depuis combien de temps vous êtes célibataire parce que elle vous a jamais oublié et il est possible qu'elle va vous demander alors quand je dis elle ça peut être un homme ou une femme hein, mais cette personne c'est possible qu'elle va vous demander. Et vous, est-ce que vous avez pensé à lui ou à elle, à cette personne? Est-ce que. Parce qu'elle, elle espère, vous voyez, que vous ne l'aviez pas oublié, que vous ne l'avez pas effacé de votre tête. Alors, il est possible que là, au moment où vous allez regarder la vidéo, vous ne savez pas forcément de qui on parle. Parce qu'en même temps, des amitiés, on en a tellement vécu dans notre passé que ce serait difficile, voilà, de se remémorer toutes les personnes. Et le but n'est pas de d'énumérer voilà, les 50 000 amis qu'on s'est fait par le passé, les gens qui sont venus, qui sont repartis, et que quand eux sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés, etc. Parce que le but n'est pas de se refaire un film, de tout, un résumé de tout passé. Et justement, c'est ça qui est important, qui est génial, j'ai envie de dire. Pourquoi je parle, je dis que c'est ça qui est génial? Parce que ça va être une surprise pour vous que cette personne vous recontacte, que vous aurez à nouveau des nouvelles de cette personne. Alors bien sûr, la vidéo concerne le mois de janvier, mais il est possible que la personne a déjà essayé de vous recontacter il y a une semaine, il y a 2 semaines, avant la fin de l'année. Et peut-être que vous avez reçu une invitation sur Facebook, par exemple. Et que pour l'instant, vous avez regardé, mais vous avez hésité à accepter. Vous n'avez pas refusé, vous n'avez pas supprimé l'invitation, mais vous hésitez. Il est possible, moi je ressens, que vous n'avez même pas pris le temps de regarder son profil, parce que pour éviter de, je sais pas, de rouvrir une plaie, de rouvrir une blessure, de voir peut-être des souvenirs qui pourraient revenir dans votre tête en voyant certaines publications, certaines photos. Mais là, eh bien, vous avez, moi je dirais, il y en a voilà qui vont pas mettre un peu de temps avant d'accepter, et à un moment donné, ils vont accepter cette invitation sur, par exemple sur Facebook, et pourquoi pas aller voir, en se disant, aller voir le profil en se disant, si cette personne elle m'a envoyé une invitation, eh bien, ce n'est pas pour rien. Et des fois, c'est bon la curiosité. Des fois, ça peut avoir des effets négatifs, la curiosité, mais des fois, ça peut avoir des effets positifs, voire très positifs. Et là, eh bien, moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à certaines personnes, votre curiosité va vous être bénéfique. Et de là, eh bien, vous allez accepter d'avoir des échanges par message, par téléphone. Parce qu'au début, vous n'avez pas accepté l'invitation. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, si j'accepte. Bon déjà, peut-être que vous avez déjà envoyé, en même temps que vous envoyez une invitation, et vous avez déjà envoyé un message sur Messenger, mais sachant que ça ne va pas dans le même catégorie sur Messenger,
lorsqu'on est ami et lorsqu'on n'est pas ami. Et vous vous êtes dit, oh mais je vais attendre avant d'accepter parce que de toute façon, je n'étais pas. Déjà d'une, je ne sais pas si je vais l'accepter en ami ou pas, parce que voilà, c'est cette personne, c'est le passé, etc. Et pourquoi elle revient dans ma vie? Et là, il y a également le fait que lorsque vous allez accepter cette personne, vous êtes dit, voilà, si j'appuie sur accepte, elle va voir que j'ai accepté l'invitation et elle va m'envoyer un message ou des messages. Et moi, eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Au début, oui, bonjour, je vais bien, voilà, tout va bien, etc. Mais après, j'ai pas forcément envie de lui raconter ma vie. Mais là, au final, c'est pas que vous allez raconter votre vie, parce que cette personne ne veut pas connaître votre vie, elle ne veut pas s'initier dans votre vie, mais elle veut avoir de vos nouvelles. Voilà pour le côté sentimental, pour vous, les balances, ascendant balance. Nous allons passer au second tirage pour le domaine professionnel. Eh bien, dire que cette carte au niveau professionnel, ce n'est pas la première fois que je la sors. Comme si que là, au mois de janvier, ça va être le début, ça va être le démarrage. Parce que moi, j'avais vu pour un autre signe, peut-être que ça, justement c'est votre ascendant, ou peut-être que l'autre signe c'est votre signe et celui-là votre ascendant. Mais au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, le mois de janvier, ça va être le début de leur activité, le début où ils vont pouvoir, où ces personnes vont pouvoir. Eh bien, être rassuré au niveau professionnel parce que, vous voyez, en ce moment, ça, on va dire, il y a le, vous voyez, on voit un fil qui est prêt à casser. Et ça, c'est le fait que vous êtes prêt à abandonner, vous êtes prêt à casser le fil qu'il y a entre vous et votre métier. Parce que peut-être que vous êtes à votre compte et que là, étant donné que vous avez l'impression d'avoir travaillé pour rien, de faire tout ça pour rien, ou d'avoir lancé votre activité, puis au final, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'au final, je ne devrais pas plutôt tout abandonner? Et vous voyez, les nuages, ça c'est les nuages gris, c'est vos doutes. Et vos doutes vont, on voit, vont se dissiper, et derrière, on a la lumière. Et cette lumière, eh bien, ça montre, vous voyez, on a une croix. Et cette croix représente le fait que ça va être une croix, ça va être la fin de vos doutes. On met une croix sur vos doutes, on met une croix sur ce que vous pensiez, sur votre désespoir, vous qui perdiez peut-être espoir par rapport à votre activité, parce que vous voyez, il va y avoir un coup de fouet dans votre activité, ça va d'un coup votre activité va prendre un coup de fouet, votre activité va partir d'un coup et alors, il est possible, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la création artisanale, mais en tout cas, au mois de janvier, c'est voilà, tous ceux qui, toutes les personnes en micro-entreprise, eh bien, vont voir leur activité, enfin toutes, non, mais beaucoup vont voir leur activité décoller. Alors, est-ce que c'est le fait que les gens préfèrent justement le côté local, le côté artisanal, et justement vont privilégier ce côté-là au lieu d'utiliser les grandes, au lieu de commander chez les grandes enseignes. Mais il va y avoir une prise de conscience de toute façon qui a déjà commencé. Et là, c'est comme si que bon, je ressens comme une résolution, parce que tous les ans, on prend des résolutions. Et là, l'une des résolutions, enfin, pour beaucoup de personnes, ça va être de faire marcher les micro-entreprises et non les, enfin, en priorité. Après, si elles ne trouvent pas leur bonheur chez les micro-entrepreneurs, bien sûr, elles vont commander, elles vont faire appel aux grandes entreprises, mais elles vont privilégier les artisans locaux, enfin les artisans locaux, les entreprises même à distance, mais voilà, les artisans, les petits artisans, les PME, les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, et voilà, parce que pour eux, c'est très, ça va être. Pour ces gens-là, ça va être très important
de privilégier le côté local également. Bon, ça parle également du côté fait main. Alors peut-être que vous créez avec vos mains, vous êtes dans les créations avec vos mains, vous faites de la création artisanale et que votre activité d'un coup va décoller et ça à partir du mois de janvier. Eh bien, voilà pour le côté professionnel pour vous les balances, ascendant balance. Passons maintenant au côté, au troisième tirage qui concerne le domaine financier. Voyez, on nous parle de victoire durant cet hiver. Moi, pour moi, regardez les feuilles, ça y est. Moi, les feuilles, toutes ces feuilles qu'on voit là, c'est vos doutes. Vous voyez, vous aviez doute. Désespoir, perdu espoir. Les feuilles, ça, on va dire que toutes les feuilles, vous vous accrochiez justement à votre activité, mais vous finissiez par ne plus y croire. Vous voyez toutes ces feuilles qui tombent, c'est votre espoir qui part comme ça, petit à petit, qui se détache. Et là, eh bien, ce qu'on vous demande, c'est de continuer à garder espoir que vous avez raison. Vous aviez raison de garder espoir, même si si bien vous commenciez à perdre espoir, mais vous n'avez pas perdu espoir totalement. Et je dirais que la victoire, cette réussite professionnelle, va arriver peut-être au moment justement. Je ressens que ça va être la veille ou 2, 3 jours après, avant votre décision de se dire. Donc, en fait, vous perdez votre temps, que vous faites tout ça pour rien, que finalement, vous allez. En fait, c'est une mauvaise idée, ce que j'aurais pas dû mettre en micro-entreprise, j'aurais pas dû mettre en micro-entreprise dans la fabrication, je sais pas, de bijoux faits main, de choses, voilà, dans l'artisanat, de choses en tissu, je ne sais quoi. Et qu'au final, j'aurais dû rester dans le boulot où j'étais, qu'est-ce que j'étais bête d'avoir fait ci, d'avoir tout abandonné pour faire ça, pour qu'au final, eh bien que je sois dans une certaine difficulté à faire marcher l'entreprise. Alors que j'étais dans une entreprise qui fonctionnait très bien, il a fallu que je m'en aille pour me mettre moi-même patron d'une petite entreprise à mon compte, en pensant justement que ça marcherait, mais au final je me rends compte que c'était une mauvaise idée. Et là, comme par hasard, ou pas comme par hasard, mais moi je dirais coïncidence. Parce que c'est à ce moment-là, quelques jours après, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le temps de concrètement, eh bien, passer à l'action, de concrètement fermer votre entreprise, parce que vous allez retrouver espoir, comme je disais, parce que votre activité va démarrer. Et là, pour vous, ça va être comme un miracle, parce que vous allez vous dire, waouh, miracle! Waouh, j'ai l'impression que mes anges m'ont entendu, que mes guides m'ont entendu, que l'univers m'a entendu, parce que l'univers, j'ai l'impression que mes guides, les anges, l'univers ont entendu mon désespoir, parce que là, eh bien, mon activité, ça y est, il décolle, ça y est, mes prières ont été entendues, et vous voyez, moi, ça parle de prière, votre prière sera entendue. Voilà pour vous les balances, ascendant balance. Je vous souhaite à nouveau un excellent mois de janvier, un excellent bon début d'année. Prenez une excellente journée également. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Et je vous dis à bientôt.